Père céleste, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as appelés. Merci parce que tu nous as commissionnés. Et même si nous sommes peu comparés à la population du monde, tu peux faire beaucoup avec le petit nombre sauvé, bon, favorisé et les hommes fidèles. Nous prions, Seigneur, que chacun de nous ici présents fasse partie de ce petit nombre choisi au nom de Jésus. Tout ce qui peut nous amener à être une foule dans le monde qui ne peut pas choisir et utiliser, je prie que ces choses soient arrachées de nos vies au nom de Jésus. Tout ce dont tu as besoin dans chaque génération, c'est le petit nombre bon, transformé par grâce, que tu changes et que tu envoies. Et dans chaque génération, pendant toutes les fois que ce petit nombre, hommes et femmes, lorsqu'ils se soumettent à toi, de grandes, grands ont été leurs exploits dans le royaume. Et nous prions que dans cette génération dans laquelle nous vivons, que chaque frère ici, que chaque sœur ici ait la touche du Seigneur au nom de Jésus. Compte-nous dignes, compte-nous engagés, compte-nous consacrés, compte-nous comme faisant partie de ce petit nombre fidèle. Et nous transformerons cette génération pour ta gloire au nom de Jésus. Fortifie les faibles. Confirme ta parole dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons en Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. En regardant la parole de Dieu depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, en regardant tous les messages donnés par Dieu aux prophètes et aux serviteurs de Dieu, vous verrez ce mot « peu » dans l'histoire. Vous regardez ceux qui ont laissé une marque indélébile, une marque inoubliable dans la vie des gens autour d'eux, vous allez découvrir ce mot « peu » en regardant toutes les professions de la vie dans le monde. Et vous voyez ceux qui ont eu laissé une marque indélébile, une marque indispensable dans une profession, vous verrez ce mot « peu ». Regardez les gens qui marchent droit. Regardez des gens qui ont mené des vies objectives. Ce sont des gens qui se sont séparés de la foule. Ce sont des gens qui se sont mis à part de la multitude. Et ensuite, ils disent, quel que soit ce que le monde pense, quel que soit ce que le monde fait, ils ont choisi un sentier du petit nombre. Regardez ceux qui sont sauvés, véritablement sauvés, complètement sauvés, sauvés sans aucun doute. Et ils sont sauvés pour la vie éternelle en regardant ceux-là
dont le ciel affirme leur salut, vous verrez le petit nombre. Combien de milliers n'ont pas suivi Christ chaque jour? Combien n'ont-ils pas nourri, n'a-t-il pas nourri par le pain? Combien n'a-t-il pas guéri? Il a guéri la nation à ce point où, même dans certaines villes, vous ne trouverez plus de malades. Ils venaient dans leur multitude. Mais, après la résurrection de Christ d'entre les morts, combien a-t-il trouvé? Combien se sont rassemblés au jour de la Pentecôte, dans la chambre haute? Vous trouverez, ils étaient très peu. Vu dans les actes des apôtres, vous verrez ceux-là qui ont possédé la puissance du Saint-Esprit et qui étaient poussés par le Saint-Esprit. Et ils ont transformé, renversé le monde. Combien étaient-ils? Peu. Dieu va t'utiliser. Si tu peux te mettre à part, si tu peux dire, assez, c'est assez. Je suis resté dans la foule il y a longtemps. Assez, c'est assez. J'ai été englouti par la multitude il y a longtemps. Assez, c'est assez. J'ai perdu d'identité. Parce que comme le caméléon, j'ai choisi la couleur de la multitude autour de moi. Mais maintenant, je sais que la vie, il reste. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quel que soit le nombre d'années qui te reste, la vie qui me reste, je la mets à part. Et je vais servir le Seigneur. Quelqu'un là-bas servira le Seigneur. Où est cette personne-là? Où est-elle là-bas? Mais tu dois être prêt à sortir de la foule. Si tu manges comme ils mangent, tu t'habilles comme ils s'habillent, penses comme ils pensent, agis comme ils agissent, t'assois comme ils s'asseyent, et tu es comme eux, tu ne peux pas changer le monde, tu ne peux pas changer ta communauté. Le petit nombre, les bonnes femmes en petit nombre, qui pensent différemment, qui voient différemment, qui vivent différemment, qui marchent à un ton différent et qui disent « Je serai différent. » Ces hommes en petit nombre, ces femmes en petit nombre, fidèles, favorisées, mises à part, consacrées, engagées, ce sont ces gens-là qui font la différence. Si tu veux avoir le salut qui nous amène au ciel, tu dois commencer là. Tu dois te mettre à part, être différent, distingué du monde. Quelqu'un a dit à un prédicateur, il a dit, le monde te hait et le monde te rejette. Et le monsieur essayait d'entendre du prédicateur. Oh, pitié, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? J'essaie quand même de faire de mon mieux. Hein. Comment se fait-il que le monde me hait? Et que le monde me rejette? Mais le prédicateur l'a répliqué. S'il me rejette, dis-leur que je les rejette. S'ils me haïssent, dis-leur que je les hais. Je hais leur manière de vivre. Ils sont différents de moi. Va leur dire ça. Je suis différent d'eux. Je ne suis pas sur le point de compromettre. Parce que mon ami, partout où tu tiens, dans la direction où tu vas, une partie du monde est derrière toi et une partie du monde est devant toi. Parle à ceux qui sont prêts et qui veulent aller au ciel. Et qui veut faire partie du petit nombre, qui est sauvé. Partie du petit nombre, sanctifié,
partie du petit nombre, prêts à avancer et à faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu merci, je parle à ce petit nombre aujourd'hui. Dieu va susciter des élus de ce lieu. Il suscitera une autre Ruth de ce lieu. Une autre Esther viendra de la retraite. Un autre Élisée, double portion, double puissance, double possession. Un autre Élisée, un autre prophète de feu, quelqu'un là-bas, tu feras partie de ce petit nombre. Dieu suscite un autre Jean-Baptiste partout où tu es. Tu peux être dans le désert, ils sortiront des villes et viendront te voir là-bas. Le feu du Saint-Esprit viendra sur ta vie. Tu ne feras pas partie des caméléons parmi ceux qui rampent et rampent. Quelqu'un là-bas tiendra. Tu auras une colonne vertébrale et le monde te verra et dira, un géant a été suscité dans le pays. Un géant a été suscité dans le pays. Il n'y a pas beaucoup comme Goliath. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme des géants dans le pays. Mais je vais te dire un jour, si quelqu'un là-bas dit, je n'ai pas peur de tenir seul, je n'ai pas peur d'être parmi le petit nombre, aujourd'hui, le feu viendra en toi, dans ton âme. Et tu n'auras plus peur, tu ne vas plus te soucier de ce que quelqu'un dira ou de ce que quelqu'un fait. Je fais partie de ce petit nombre. Je fais partie de ce petit nombre. Je dis, je fais partie de ce petit nombre. Le petit nom fidèle est favorisé. Luc 12. Luc 12, verset 32. Luc 12, 32. Ne crains point petit troupeau. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Comparé au monde, ne crains point petit troupeau. Nous sommes petits en nombre. Comparé à la ville. Comparé à cet état. Comparé à cette nation. Mais la destinée des multitudes, la destinée des pécheurs repose entre tes mains. Et tu vas te lever et tu relèveras le défi. Tu feras partie du petit nombre fidèle au nom de Jésus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et nous aurons le royaume. Je dis, nous aurons le royaume. Et tu l'auras au nom de Jésus. Le petit nom fidèle est favorisé. Trois points à considérer. Premièrement, la provision promise au petit nom converti. La provision promise au petit nombre converti. Deuxième point, la persévérance objective par le petit nombre consacré. La persévérance objective par le petit nombre consacré. Troisième point, la puissance obligeante. Tu ne resteras pas sur place. La puissance obligeante. Tu ne seras pas oisif. Je parle à quelqu'un là-bas. La puissance obligeante du petit homme commissionné. Du petit homme commissionné. Ces gens-là, tu vois, vous allez vaincre le pays. Premier point donc, la provision promise au petit homme converti. Si vous êtes né de nouveau, vous ferez partie du petit nombre. Si vous êtes sauvé, vous ferez partie du petit nombre. Si vous cherchez la foule pour être comme toi, quand vous êtes au service, si vous cherchez la foule pour être comme vous, quand vous marchez dans la rue, si vous cherchez la foule pour affirmer et accepter ce que vous dites ou la manière dont vous vivez dans votre communauté, vous chercherez en vain. Parce que seul le petit nombre converti, le petit nombre sauvé, le petit nombre né de nouveau, le petit nombre engagé au
au roi des rois et au seigneur des seigneurs, le petit nombre, soumis leur total, qui soumettent leur totalité au Seigneur. Seulement le petit nombre marche sur le chemin resserré qui conduit au ciel. Matthieu chapitre 7 encore. Matthieu 7, lisons ici le verset 13. Verset 13 dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Regardez les églises autour. Regardez les multitudes de personnes entrant dans des assemblées et dans des soi-disant églises. Et vous verrez, plusieurs parmi eux ne veulent pas la repentance du péché. Ils ne veulent pas laisser leur ancienne voie. Ils ne sont pas différents du monde et de la foule mondaine. Et leurs prédicateurs, parce qu'ils veulent la multitude, ils les caressent au dos. Croyez seulement, croyez seulement. Adultère, venez, croyez. Fornicateur, venez, mais croyez. Tous ces gens-là qui volent, venez, croyez seulement. Et ceux qui sont dans l'occultisme, venez, croyez. Ils disent qu'ils croient et ils demeurent dans toutes ces atrocités qu'ils commettent. Voilà pourquoi il dit, la porte est spacieuse. Il y a même certaines églises qui font l'annonce. Ici, nous ne faisons pas de discrimination ici. Tout le monde est accepté ici. Parce que nous sommes une église qui est amicale. Nous sommes une église amie aux politiciens. Parce que nous sommes une église amicale aux technocrates. Parce qu'ici, nous acceptons tout le monde. Et vous venez tel que vous êtes. Et vous demeurez tel que vous êtes. Personne ne vous dérange. Et quand vous venez ici, quel que soit ce que vous voulez faire, allez, faites-le. Plusieurs, des multitudes. Mais Jésus a dit, ces multitudes, ils ne sont pas sauvés. Elles ne sont pas converties. Si tu veux aller au ciel, si tu veux échapper au feu de l'enfer qui ne s'éteint point, verset 14, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu. Les paroles de Jésus, qui est mort pour tous, mais il savait qu'il y en a peu accepteront se repentir. Il veut sauver tout le monde. Mais il savait qu'un petit nombre va vouloir son salut. Mais il y en a peu qui les trouvent. Beaucoup sont appelés. Matthieu 20. Matthieu 20. Verset 16. Matthieu 20. Verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Est-ce que vous avez jamais pensé à ces paroles-là? Les premiers, ceux qui sont venus premièrement, ceux qui sont convertis premièrement, ceux qui sont venus dans le royaume premièrement, et ils prennent de l'âge, et comme ils avancent dans les expériences, comme ils passent par beaucoup de défis dans la vie, plus ils prennent de l'âge, plus ils deviennent froids.
Ils sont habitués à la communauté. Ils sont habitués à renfrogner au péché. Ils sont habitués à la menace contre le péché. Ils sont habitués à la haine contre le péché avec passion. Mais maintenant, ils ont pris de l'âge. Maintenant, ils ont passé par beaucoup de pression. Et les premiers deviennent les derniers. Ils étaient au fronton de la queue. C'est eux qui couraient dans l'évangélisation. C'était des gens qui frappaient contre le péché. Ils frappaient dur contre le péché. Mais maintenant, les premiers deviennent les derniers. Et les derniers seront les premiers. Les nouveaux convertis, ils viennent même dans le royaume. Et comme ils viennent, ils sont sauvés, nés de nouveau. Et le feu du Saint-Esprit brûle dans leur cœur. Ils connaissent le désert d'où ils viennent. Ils connaissent la faute d'où ils sont sortis. Ils connaissent les péchés d'où ils sont sortis. Et ils haïssent le péché avec passion. Et prennent la place de ceux qui étaient les premiers. Je prie que tu ne te refroidisses pas. Si tu es né de nouveau aujourd'hui, et tu viens, et le feu de Dieu est en toi, et tu es le dernier parmi les venus, et ceux qui sont venus les premiers, il dit, mon jeune homme ralenti, jeune fille ralentie, on était là avant toi. J'étais comme toi avant, mais maintenant, j'ai refroidi. Abandonne ces gens-là. Oublie ces gens-là. Ne te rapproche pas de ces gens-là. Ce sont des gens, les premiers seront les derniers, et ils veulent te garder derrière, sur le dernier banc. Toi, sois le premier qui est venu, et tu le seras au nom de Jésus. Jésus a dit ensuite, plusieurs sont appelés, mais un petit nombre est choisi. Le petit nombre qui se répand, le petit nombre qui prend la parole de Dieu au sérieux. Plusieurs sont appelés, mais très peu sont choisis. Matthieu 22, 14. Quand il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas tous ceux qui lèvent la main pour être sauvés, qui sont vraiment sauvés. Mais peu. Le petit homme qui est vraiment sérieux dans le cœur. Qui dit, péché, au revoir pour toujours. Toutes ces mauvaises choses que j'avais, quand j'étais pécheur, je ne vais plus les utiliser. Je sors pur. Je viens au Seigneur. Beaucoup ne sont pas nombreux comme ça. C'est un petit nombre. C'est pourquoi Jésus a dit, beaucoup sont appelés. Pourquoi il dit beaucoup sont appelés? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, et recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est léger, et mon fardeau léger. Mais il y a petit nombre qui prend le joug de Christ. Plusieurs sont appelés, mais peu d'élus. Luc, chapitre 13. Appelés au salut. Appelés à la repentance. Appelés à la justice. En Luc, chapitre 13, 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Quand vous regardez autour de vous, probablement on peut poser une question pareille. Regardez les nombreuses personnes que vous rencontrez. De nos jours, vous rencontrez beaucoup de personnes. Avant de parler à 5-10 personnes, quelqu'un dira, je suis né de nouveau. Avant que vous ne parliez à ces nouvelles personnes qui viennent dans votre bureau, quelqu'un dira, je suis né de nouveau. Avant de
de parler des gens dans le marché. Quelqu'un dira, je nais de nouveau. Et vous êtes choqués. Vous êtes surpris. Parce que certains d'entre eux, vous les connaissez. Certains d'entre eux, vous connaissez leur vie. Pour certains d'entre eux, vous connaissez leur comportement. Pour certains d'entre eux, ils sont différents des chrétiens bibliques que nous connaissons. Et ils disent, sondez de nouveau. Et vous secouez la tête et vous leur demandez, est-ce que vous avez jamais entendu? Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il dit, oh, ils n'ont jamais entendu ça. Est-ce que vous avez jamais entendu que celui qui commet le péché est du diable? Il dit, quoi? Mais je suis né de nouveau, hein? Mais je commets le péché. Mais la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il dit, ah, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Mais quand même, je disais au Seigneur, Seigneur, je suis un grand pécheur, je suis vraiment zéro. Je disais au Seigneur, je suis un soulard. Je disais au Seigneur, je suis un fornicateur. Je disais au Seigneur que je suis un voleur, mais je suis né de nouveau. Mais si la parole de Dieu est vraie, si Jésus-Christ est venu pour nous libérer, tu n'es pas encore né de nouveau. Et tu peux maintenant poser la question, y a-t-il que peu qui soient sauvés? Tu peux continuer à poser une autre question. Y a-t-il que peu qui soient sanctifiés? Regarde notre église. Regardez l'emphase sur la sanctification dans cette église. Dans tout rassemblement. Et regardez l'emphase que nous mettons sur la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Regardez sa vie. Regardez la vie de l'autre. Regardez cette famille. Regardez cet ouvrier. Regardez ce prédicateur. Et vous posez la question, n'y a-t-il que peu qui soient sanctifiés? Nous parlons d'être sauvés. Nous parlons d'être sanctifiés. Nous parlons d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Et quand vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit sera sur votre vie. La passion, la puissance, la force obligeante du Saint-Esprit sera sur vous. Vous le savez dans la théorie, mais on peut poser la question, n'y a-t-il que peu de gens qui soient baptisés du Saint-Esprit? Nous parlons de la fidélité. Regardez le fidèle, Seigneur et Maître, soit maître de ville ou saint ville. La fidélité à Dieu, la fidélité à la parole, la fidélité aux doctrines de la Bible. Et vous regardez les gens et vous voyez les compromettants à gauche, à droite, derrière vous, partout. Et vous posez la question, n'y a-t-il que peu de gens qui soient fidèles? Le petit nombre qui prend la parole de Dieu, et quand ces prédicateurs sont là ou ne sont pas là, que le pasteur soit là ou pas, ils disent, voici ce que j'ai reçu. Et je vais continuer dans ces choses. Ces gens sont petits, sont peu en nombre, même parmi ceux qui viennent aux retraites, parmi ceux qui viennent aux conférences. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Verset 23. Luc 13, 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer. Il y a des gens qui nous disent, le salut est facile. Que personne ne rende Dieu difficile pour vous. Hein? Vous venez, vous êtes sauvés. Vous levez la main et vous êtes sauvés. Dites Seigneur et vous êtes sauvés. Mais est-ce que vraiment c'est ce sauveur qui nous dit ça? C'est ce Jésus qui nous dit ceci? Les prédicateurs sont pollués, ont pollué l'évangile. Les prédicateurs ont perverti l'évangile.
Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Si vous êtes prédicateur et vous commettez adultère, il vous sera difficile de cogner l'adultère. Si vous êtes prédicateur et vous êtes menteur, il vous sera dur, impossible, difficile pour vous de prêcher contre le mensonge. Si vous êtes prédicateur et vous volez l'argent de l'église, il vous sera impossible de parler contre le vol de l'argent de l'église. Si vous êtes prédicateur et chaque fois que vous êtes malade, il y a un herboriste secrètement et vous prenez ces concoctions-là, il vous sera impossible de parler contre l'idolâtrie. Et parce que plusieurs prédicateurs eux-mêmes sont tombés, ils ont rétrogradé. Voilà pourquoi il leur est impossible. Et je vois beaucoup dans nos églises ici, prédicateurs. Si un fornicateur, un adultère, dans leur assemblée, et on leur fait le rapport, ils diront, qu'est-ce que nous allons faire? Cette vie-là, vraiment, il y a des tentations. Hein? Et toi-même qui viens faire le rapport, et toi, si tu es toujours debout, qu'est-ce qui sait ce qui va arriver demain? Prions pour tout le monde. Hein? Tout le monde a ses faiblesses. Ça, c'est un prédicateur, rétrograde prédicateur. Et si toi, c'est toi qui tiens debout, tu dis ce prédicateur, il a compromis. Et tu te lèves. Et tu le disciplines. Et tu arrêtes. Et tu parles à cet adultère, ce fornicateur, les autres adultères qui ont peur. Ah! Regardez ce pasteur-là. Hein. Je ne sais pas qui va me reporter chez lui. Si on me reporte devant cela, voilà ce qu'il me fera. Il commence à se battre. Ils ne veulent pas aller au ciel. Ils sont là pour cacher leur immoralité et leur iniquité. Ils veulent empêcher le petit nombre qui crie contre le péché et disent, ils peuvent avoir quelqu'un là-bas qui vont présenter à ce prédicateur et dire, parce que s'il tombe, il n'aura plus la bouche de parler contre l'adultère et la fornication. Un petit nombre. Le petit nombre qui tient debout. Quelqu'un là-bas tiendra. Où est celui qui veut tenir? Une femme, tu tiendras. S'ils essaient de te fermer la bouche, ouvre cette bouche grandement et le Seigneur la remplira de puissance. Parce que dans ces derniers jours, l'iniquité va abonder et Dieu a besoin du petit nombre qui dira, je crois toujours au salut de Christ, je crois toujours à la sainteté de la Bible, je crois toujours à la sanctification de la Bible. Petit nombre qui a sauvé, le petit nombre qui est sanctifié, le petit nombre qui est baptisé du Saint-Esprit, le petit nombre qui est juste. Ces personnes pouvaient poser la question, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient saints? N'y a-t-il que peu de gens qui soient saints? Ça, il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent mentionner la sainteté, mais regardez leur vie. Ils prêchent la sainteté, mais regardez leurs affaires, leur vie dans les affaires, l'argent, les richesses. La compromission à cause de l'argent. Venez les écouter prêcher. Et parler de la sainteté. Vous ne pouvez pas leur faire confiance avec l'argent de l'église. D'abord, certains d'entre eux essaient.
Il prie de manière à faire taire tout le monde. Il regarde tel pour... Et les gens se plaignent. Les peureux, les craintifs, les poltrons dans notre église. Il parle derrière. Ah, notre prédicateur, là. Notre pasteur. Notre dirigeant. Nous savons. Voilà ce qu'il fait avec l'argent de l'église. Mais il ne peut pas sortir. S'ils écrivent une lettre, c'est une lettre anonyme qu'ils vont écrire. Ils écrivent de façon confuse, pasteur. Nous savons que Dieu t'aide. Nous savons que tu tiens pour la vérité. Ce n'est pas tous tes dirigeants qui te suivent. Certains d'entre eux, mais il faut qu'ils soient clairs. Es-tu un poltron? Pourquoi tu écris une lettre pareille? Et à la fin de la lettre, ils vont signer un membre concerné. Je ne suis pas sûr que toi-même tu es né de nouveau. Tu ne peux pas cogner le péché pour dire « C'est moi qui ai écrit cette lettre. » Je ne veux pas qu'ils sachent que c'est moi. Oh. Ah, tu n'es pas un croyant. Tu es un homme qui compromet. Tu ne tiens pas pour la justice. Tu ne tiens pas pour la vérité. Tu aimes ta vie plus que la parole de Dieu. Et tu aimes ces rétrogrades et ces pécheurs plus que la parole de Dieu. Parmi ceux qui travaillent dans les différentes sections, il est venu comme ça. Et tu vois ton dirigeant avec une jeune fille. Il a oublié de fermer la porte. Et tu es choqué. Tel. Et tu vois la jeune fille là. Notre dirigeant. Et tu as peur. Ton cœur bat. Tu ne peux pas tenir là-bas. Regardez ce soi-disant dirigeant. Les yeux dans les yeux. Face à face. Et que ton désaccord avec ce mal, que cela soit enregistré. Et que tu regardes ce soit dirigeant des femmes. Les gens ont du respect pour les pécheurs. Ils n'ont pas du respect pour la sanctification. Ils ont du respect pour les rétrogrades. Ils n'ont pas du respect pour les croyants. Tu ne peux pas regarder cette personne face à face. Et que ton ressentiment contre le mal, que cela soit réellement connu. Alors, il sort. Et ça te secoue pendant un moment. Tu trembles pendant un moment. Et ce soit dirigeant vient vers toi et dit, « Hey, tout ce que tu as vu là, un dirigeant c'est un dirigeant, je suis ton dirigeant. » Et si tu dis quoi que ce soit de moi, si tu désobéis au leadership, mon ami, tu n'es plus un dirigeant. C'est une église de sainteté ici. Tu as seulement le titre, tu n'as pas la puissance de la piété qui l'accompagne. Ah, si on ne te respecte pas, on ne t'accepte pas, on ne t'honore pas. Il y a un petit homme ici qui tiendra contre le péché. Dieu merci, je fais partie d'eux. Je dis Dieu merci, je fais partie d'eux. Est-ce que quelqu'un là-bas qui est avec moi? J'ai dit, est-ce que quelqu'un là-bas est avec moi? Si tu es là, pourquoi on entend toutes ces choses qui se passent? Et tu ne peux pas te lever. Et tu ne peux pas frapper contre le péché. Et chaque fois que nous essayons de corriger les choses, nous essayons de mettre les choses en ordre, il y aura quelqu'un là-bas. C'est un prédicateur également. Et vient, essayant de déstabiliser et de nous distraire et de nous déranger pour que nous ne nous concentrons pas, pour que nous ne détruisons pas le mal. Si tu es pour la justice, tu tiendras pour la justice. J'ai dit, tu tiendras pour la justice. Quelqu'un est prêt à tenir là-bas pour la justice et tu tiendras au nom de Jésus.
chorale, je vous vois là-bas. Dieu merci. Mais vous savez, si vous chantez, il a besoin du petit nombre de vous-même. Vous devez faire partie de ce petit nombre et de ces petits nombres. Et vous n'allez pas protéger les chants, protéger la chorale. Pendant que vous savez qu'il y a des gens là-bas qui ne mènent pas de bonne vie. Des gens qui ne mènent pas une vie de justice. Et ce sont ces gens-là qui enseignent les autres dans la chorale. Ils font ceci, ils font cela, afin qu'ils puissent détourner notre attention pour ne pas combattre contre le péché. Et nous allons commencer à nous battre entre nous. Pourquoi est-ce que tu chantes comme ça? Pourquoi tu es allé là-bas? Pourquoi est-ce que tu es allé dans cette direction? Quelqu'un influence quelqu'un d'autre à distraire notre attention loin du péché pour qu'on ne combatte pas. Je prie que tu tiens pour la justice. Est-ce que je parle à la chorale là-bas aujourd'hui? Vous allez tenir pour la vérité au nom de Jésus. Et quand vous tenez, peu importe qui est la personne dans la chorale, vous allez les dénoncer, vous allez les doigter, vous direz, pasteur, j'ai attrapé celui-là, voici la Jézabel parmi nous, voici la Cam parmi nous. La même chose dans toutes les autres sections. Et vous travaillez dans telle section, dans telle autre section, et vous voyez, il y a le péché qui est en cours là-bas. Vous serez parmi le fidèle de petit. Je ferai partie du petit non fidèle. Sauvé, vous êtes sanctifié, vous êtes rempli du Saint-Esprit et de feu. Et vous combattez le péché, vous prêchez contre le péché. Et partout vous allez, si quelqu'un vous dit, maintenant je vais te dire quelque chose, mais sois sûr que tu ne diras pas à quelqu'un, attends, si tu me dis ça, si c'est le péché, je vais trouver une manière d'aller au pasteur et il va gérer ça. Alors si tu veux me parler, dis-le moi d'abord. Je ne vais pas cacher Nakan dans notre église. Aujourd'hui, je ferai partie du petit non fidèle et tu le feras au nom de Jésus. Il nous dit clairement ici, un petit nombre, ceux qui sont sauvés, un petit nombre, ceux qui sont justes et ceux qui tiendront avec une colonne vertébrale et qui diront, je tiens pour la justice. Vous savez quoi, dans les années, au début de la vie profonde, on jouissait d'une telle fidélité, de grande fidélité. Je me rappelle maintenant, l'image me revient maintenant. Je me vois là où j'étais debout. Je vois ce frère bien-aimé là où il était debout également. On voulait avoir une retraite. Et je croyais que Dieu a permis cela pour qu'il puisse montrer sa fidélité. Je l'ai appelé en ce moment-là. J'appelais les gens moi-même. Nous n'étions pas aussi nombreux. Je disais, mon frère, nous avons la retraite qui vient. Et tu vas donner un message. Et je lui ai donné le thème du message. Je voulais qu'il note le titre pour qu'il fasse un bon travail de prédication. Et je voulais lui donner les détails par rapport à touche tel domaine. Il m'a écouté tranquillement. À la fin, il m'a dit, pasteur, je ne peux pas prêcher. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux. Je croyais qu'il essayait d'être humble. Je pensais qu'il essayait d'éviter la responsabilité. Il a dit, pasteur, je ne peux pas prêcher. En fait, je voulais venir vous voir moi-même. Je suis un pécheur. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, j'ai rétrogradé. Je voulais venir vous voir. Je ne voulais pas vous déranger avant la retraite. Je pensais, j'allais vous permettre de finir tout ce que vous faites. Alors après, je viendrai vers vous. Il a dit, regardez ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Je voulais aussi le dire à ma femme. Ce que j'ai fait. Mais maintenant, que vous m'avez donné le devoir, comment est-ce que je peux prêcher? Je ne veux pas polluer notre église. Ça, c'est des hommes fidèles. C'est des hommes fidèles. Je prie que tu sois fidèle au nom de Jésus. Mais ceux qui se cachent,
Viens prêcher. Ah, je peux prêcher. Viens chanter. Je peux chanter. Viens travailler. Je peux travailler. Ils ont rétrogradé. Et ils ne font pas partie du petit nombre fidèle qui dira, je tiens pour la justice. Dieu t'appelle aujourd'hui et tu tiendras au nom de Jésus. Si tu es tombé, quand tu exposes la chose, ça va te libérer, ça t'aidera et tu sortiras de la condamnation pour la vie, tu quitteras la mort pour la vie et tu sortiras de la défaite pour la victoire. Quelqu'un là-bas se sent mal à l'aise en écoutant la parole de Dieu. Il a peur que le pasteur touche des domaines qui vont le déranger. Le Saint-Esprit va te découvrir. Et si tu es un pécheur, tu seras exposé. Rétrograde, tu seras exposé. Tu ne vas pas nous distraire ici, mais le Seigneur, le Saint-Esprit va te distraire ta vie. Et le Saint-Esprit va envoyer les rayons du soleil. Et si tu ne fais pas des attentes dans l'église, le Seigneur va te déraciner. Toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée dans cette église de sainteté, le Seigneur va la déraciner au nom de Jésus. Le petit nombre sauvé, le petit nombre sanctifié, le petit nombre fidèle. Je prie que Dieu fasse de toi un homme fidèle au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 3, verset 20, 1 Pierre, chapitre 3, verset 20 ici. 1 Pierre 3, verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre, voyez cela, un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées. 8 personnes furent sauvées. Pendant ces nombreuses années, Noé, le prédicateur de la justice, il a mis l'accent sur la repentance, il a prêché de sortir du péché et de sortir pour venir dans la justice. Vous voyez, pendant ces nombreuses années, seulement 8 personnes étaient sauvées. Petit nombre, sauvées. Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui? Il y a des gens qui écoutent la parole. Au lieu d'être sauvés, au lieu d'être engagés au Seigneur, ils vivent dans leur péché. Je prie que Dieu t'amène à la repentance. Parce que si tu ne te repens pas, la damnation viendra. Si tu ne te repens pas, le malheur viendra. Si tu ne te repens pas, ce sera une éternité dans les temps de feu, dans le feu de l'enfer. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et tu es comment? Dites-moi à haute voix, tu es mort. Ceux qui paraissent être vivants, mais ils sont morts. Ceux qui passent pour être sauvés, mais ils sont dans leur péché. Ceux qui passent pour être sur la voie du ciel, mais la puissance de la justice n'est pas dans leur vie. Ils ne peuvent pas mener une vie de justice, ils ne peuvent pas mener une vie obéissante, ils ne peuvent pas mener une vie sainte,
ils passent pour être vivants, mais ils sont morts. Verset 4. Cependant, tu as à Assad quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Un petit nombre. Tu as quelques-uns hommes. Je prie que tu fasses partie du petit nombre. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ont le Sauveur comme Seigneur, ceux qui sont sur la voie du ciel, ceux qui disent par la grâce de Dieu, je sais ce qu'il faut pour aller au ciel, ce qu'il faut pour être au paradis, je sais ce qu'il faut pour être avec le Seigneur pour toujours et toujours. Je sais qu'il faut la repentance, je sais qu'il faut la foi au Seigneur Jésus-Christ, je sais qu'il faut la justice, je sais qu'il faut la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, volontairement, je me donne volontairement, je donne mon cœur, je donne ma vie et je veux faire partie du petit nombre fidèle. Et Dieu te donnera la grâce. Deuxième point, la persévérance objective du petit nombre consacré. La persévérance objective du petit nombre consacré. Quand vous entendez parler de la consécration, cela veut dire vous se donner sans réserve au Seigneur. C'est donner son cœur sans réserve au Seigneur. Ça veut dire que vous donnez vos habiletés, tout ce que vous avez, sans aucune réserve au Seigneur. Et vous dites, il a tout donné pour moi. Et parce qu'il n'a rien réservé, il a versé son sang, tout son sang. Quand ils ont lancé la lance à ses côtés, le sang a coulé. Le sang a coulé. C'est pourquoi l'eau est sortie après la dernière goutte d'eau qui est sortie. Il a donné toute sa vie. Il a donné tout son sang. Et il a donné toutes choses. Et parce qu'il a tout donné pour moi, c'est pourquoi je lui donne en retour tout mon cœur, sans réserve. Je lui donne ma vie, sans réserve. Je lui donne mes habiletés, sans réserve. Je lui donne mes capacités, sans réserve. Je lui donne ma connaissance, sans réserve. Je lui donne ma force, sans réserve. C'est ce que ça veut dire. Le petit nombre consacré, il y en a peu. Regardez toutes les églises autour. Regardez tous ceux qui viennent dans des assemblées, dans les communions, dans les réunions, dans des conventions, dans les retraites, quels que soient les noms. Et vous verrez, ils ne vont pas là-bas pour découvrir ce qu'ils doivent donner au Seigneur. Plus de ma vie, plus de mes habiletés, plus de mes capacités. Ils ne vont pas là-bas pour demander qu'est-ce que je vais donner, mais qu'est-ce que je vais obtenir? Qu'est-ce que je peux avoir? Comment est-ce que le pasteur peut prier pour moi? Comment est-ce que je peux bâtir une maison? Comment est-ce que je peux avoir un véhicule? Comment je peux me marier? Comment je peux avoir ceci? C'est ce pourquoi ils vont là-bas. Et c'est une pitié. C'est pourquoi certaines personnes sont là. Qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que tu peux donner? Tu as eu assez. Mais qu'est-ce que tu peux donner maintenant? Comment est-ce que tu peux sacrifier ton temps, ta vie, tout ce que tu as, pour servir le Seigneur? 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Verset 24. 2 Samuel 24. Verset 24. Voilà ce qu'il dit. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent.
Regardez ici, s'il vous plaît. Croyants qui cherchent des choses gratuites. Adoration gratuite. Bénédiction gratuite. L'énergie des autres. Servez-moi gratuitement. Je suis là. J'ai besoin de ceci, de cela, gratuitement. Les autres, le temps des autres, gratuitement. Ils ne veulent rien donner sur l'autel. Il y en a un petit homme qui dira, regardez ce que Christ a fait pour moi. Je vais tout abandonner. Et c'est comme, laissez-moi avoir, que je vais avoir ça, je vais avoir ça. Regardez ici, prédicateur qui ne paye pas les dîmes et offrandes. Est-ce qu'il n'y a pas des dirigeants qui ne payent pas les dîmes et offrandes? Il n'y a pas d'ouvriers qui ne payent pas les dîmes et offrandes? Est-ce qu'il n'y a pas les membres de l'église qui ne payent pas leurs dîmes et offrandes et ils viennent? Et c'est le premier à réclamer telle bénédiction, à réclamer telle bénédiction, à réclamer telle bénédiction. Et ils prennent le temps de tout le monde. Je vais voir le JS, je vais voir le pasteur, je vais voir le pasteur du groupe, je vais voir le responsable, je vais voir. Mais nous, on ne te voit pas. Pourquoi tu sois engagé? Quel type de chrétien es-tu? Un petit nombre. Le petit nombre qui dit, j'abandonne ma vie sur l'autel. Je veux servir le Seigneur. Je ne cherche pas ceci ou cela. Tout ce que je veux, c'est de voir comment servir le Seigneur davantage. C'est David qui parle dans le verset 24. Le roi dit à Ravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûte rien. Qui ne me coûte rien. Et je n'offrirai point à mon Dieu qui ne me coûte rien. Rappelez-vous, des gens dans le sanctuaire, dans le temple, ils donnaient des offrandes. Les riches sont venus. Il donnait. Regardez, cette pauvre dame, veuve, elle est venue, elle a donné. Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21. Chrétien, je suis un serviteur de Dieu, examine. Je suis engagé au Seigneur dans cette église. Examine. Luc 21, verset 1. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve. Une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Église, qui parle ici? Je veux vous entendre. Qui parle ici? Vous savez, il y a des gens qui lisent un seul verset de la Bible. Et quand ils lisent ce verset, ils s'attachent à ce verset. Ils ne comprennent pas. Récemment, nous avons lu
l'histoire de David. Et David a consacré sa vie. Voici Goliath, un ennemi national. Voilà Goliath, le champion des Philistins. Il est sorti. Il dit, je défie l'armée d'Israël. Si quelqu'un sort et me combat et qui gagne, nous serons vos serviteurs. Dans sa pensée, il se disait que personne ne sortirait. Parce que Saül avait peur. Toute l'armée avait peur. Il est sorti encore. Pendant 40 jours, il sortait comme ça. Et il lançait ce défi. Je défie l'armée d'Israël. Que quelqu'un sorte de là-bas. David a entendu cela. David a dit, je prends ma vie entre mes mains. Vous connaissez l'histoire. Il a combattu. Il a tué Goliath. Vous connaissez cette histoire, non? Je vous parle, non? Connaissez-vous cette histoire? Le chapitre suivant, les femmes étaient contentes. Les femmes étaient excitées dans l'affirmation de l'appel de David en affirmant de l'alliance avec David, en affirmant la commission donnée à David. Ces femmes sont sorties. Elles chantaient. Elles disaient, David a tué les 10 000 et Saül a tué les 1 000. Il y a des gens, la seule chose qu'ils tirent de l'histoire, vous voyez, non? Ces femmes-là ne devaient pas avoir fait de comparaison. Elles nous ont dit, nos anciens nous disent, de faire très attention. Quand quelqu'un, quel que soit son bon caractère, quelle que soit sa consécration, quel que soit ce clamant dont il donne sa vie, et il lance sa vie, il jette sa vie, pour sauver l'Église, pour sauver la nation, que personne ne parle. Regardez cette femme, ces femmes. Regardez maintenant la jalousie et l'envie de Saül. Et toutes les leçons qu'ils apprennent de cette histoire. Écoutez, moi j'ai lu cette histoire. Je connaissais cette histoire. Et j'ai visité plusieurs églises, à vie profonde. Ici à Lagos au siège. Et je vois ici, regardez les bâtiments d'église. Quoi? Les gens, dans ce groupe-là, vous avez vraiment bien fait. Ça, c'est grand. J'espère que vous allez achever ceci. Et quand vous aurez fini, nous viendrons là-bas pour le réveil de la vie profonde du Saint-Esprit. Ça, c'est bon. Et j'ai parlé de cela pour apprécier ce qu'ils ont fait dans ce groupe. Je vais ailleurs et je leur dis, la première fois que je suis allé là-bas, nous sommes là il y a des années, pendant plus de 20 ans. Mais regarde là où nous sommes. Hein. Quand j'étais allé là-bas, semaine après, merveilleux, tout a changé. Et quand j'ai vu quelque chose de bon, j'ai dit vraiment, c'est bon, c'est grand. Si vous pouvez faire ceci en 2 semaines, en 1 an, vous allez faire plus que ça. Et quelqu'un là-bas, dedans, dit, qu'est-ce que le Dieu fait? Il apprécie les gens qui bâtissent et ceux qui donnent et ceux qui sacrifient et les autres. Et ils sont là depuis 15 ans et n'ont rien construit. Est-ce qu'ils n'auront pas honte? J'espère qu'ils ont honte. Je prie qu'ils aient honte. J'ai même l'intention qu'ils aient honte. J'ai l'objectif même qu'ils aient honte. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir honte? Pourquoi est-ce que le pasteur loue ceux qui font bien? Ne se rappelle-t-il pas que lorsque ces femmes ont chanté, Saül alors, elle s'est fâchée? Oui, je me rappelle.
Je pensais que tu n'étais pas comme Saül. Quelqu'un là-bas? Est-ce que tu es là? Vous êtes là? Je pensais que vous n'étiez pas comme Saül. Je pensais que vous êtes sauvé. Saül n'avait pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'avait quitté. Et l'Esprit du diable, de Satan, l'agitait et le possédait. Je pensais que vous étiez différent. Je pensais que vous allez vous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Je pensais que vous allez dire, vraiment c'est un défi pour moi. Voyez ce que tel district a fait. Voyez ce que le groupe a fait. Et le pasteur a parlé de cela. Nous allons donner notre terrain. Nous allons donner tout ce que nous avons. Je pensais que ce serait un encouragement pour vous. Voyez Jésus-Christ ici. Jésus est notre modèle. Et non ces femmes et non ces femmes. Regardez Jésus-Christ ici. Il a vu les gens donner les offrandes dans le trésor. Il a levé les yeux. Il a vu les riches. Il a vu ce qu'ils donnaient. Et il a vu la veuve qui avait 2 pièces. Les revenus de sa vie. Tout ce qu'elle avait. 100%. Et elle a tout donné. Maintenant, voyez ceci. Verset 3. Et il dit, je vous le dis en vérité, ouvertement. Et il le dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, de toute sa pauvreté, elle a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça, c'est Jésus-Christ. Et nous suivons Jésus-Christ. Quelqu'un qui fait un sacrifice, qui donne sa force, sacrificiellement. Nous voyons certains de nos ouvriers, certains de nos dirigeants, nous sommes presque tentés de dire, frère, tu as besoin du repos. Vraiment, tu fais beaucoup. Nous sommes tentés de dire même que les autres viennent nous aider à porter le fardeau avec cette sœur. Vraiment, tu fais beaucoup, sœur. Les autres sont là, assis. Seulement le petit nombre qui donne leur totalité. Tu vas t'associer à eux aujourd'hui. Et tu vas t'associer à eux aujourd'hui. Et quand nous le voyons, nous devons les féliciter. Nous apprécions ça. Et c'est l'appréciation de Christ lui-même. C'est ceux qui veulent se cacher sous l'avarice, l'endurcissement de cœur, et qui ne veulent pas changer. Comme cela a été, il en sera ainsi. Et il en sera toujours pour eux. Ils construisent leur maison. Ils construisent 2 maisons. Ils ont une maison ici. Ils ont une autre maison là-bas. Ailleurs. Et ils envoient leurs enfants à l'étranger pour étudier. Et c'est coûteux. Mais ils acceptent adorer dans un temple. Eux seuls, eux tout seuls, s'ils étaient comme David. S'ils étaient comme cette pauvre veuve, ils pouvaient construire un temple magnifique tout seul pour le Seigneur. Mais seulement un petit nombre. Ils sont consacrés et engagés. Dieu merci. Tu fais partie de ce petit nombre fidèle. J'ai dit, tu fais partie du petit nombre fidèle. Troisième point maintenant. Troisième point. La puissance obligeante. La puissance obligeante du petit nombre commissionné. La puissance obligeante du petit nombre commissionné. Matthieu 9. Matthieu 9, verset 37. Matthieu 9, 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pensez à toute la nation d'Israël.
Ils étaient en termes de millions. Jésus n'avait que 12. Qu'est-ce que 12 personnes peuvent faire? Très peu. Mais c'est rien. Peu d'entre eux, ils étaient poussés par la puissance du Saint-Esprit. Chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, petits en nombre, mais contraints par la puissance. Luc, chapitre 10. Luc 10, le petit nombre commissionné. La puissance obligeante, contraignante du petit nombre commissionné. Luc 10, verset 1. Après cela, il n'y a pas que le Seigneur a envoyé les 12. Il a vu que le champ était vraiment grand, prêt pour la moisson. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il envoie 70 et il dit toujours, ils sont peu. En regardant l'œuvre que Dieu a pour nous, il y a des gens, vous savez, ils font un travail donné. Le territoire s'élargit. La moisson est grande. Nous avons des millions de personnes qui ont besoin d'être touchées. Mais ne veulent pas amener d'autres. Ils disent, tel que nous sommes comme ça. Jésus avait les 12 en Luc chapitre 9. Maintenant là, les 70 dans Luc chapitre 10. Même après avoir eu les 70, il dit toujours, ils sont toujours peu en nombre. Mais il y a des gens qui ont la puissance obligeante et ils ne seront pas fatigués. Et tu ne seras pas fatigué. Tu ne seras pas épuisé. Ce sont des gens comme Gédéon, l'armée de Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon? Il a lancé l'appel. 32 000 hommes sont sortis. Le Seigneur a dit, ils sont trop nombreux, dis-leur. Celui qui a peur, il retourne. 22 000 sont repartis. Il restait 10 000. Le Seigneur a dit, ils sont toujours nombreux. Ceux-là, ils cherchent la vie facile. Il y en a qui cherchent les gains. Il y en a qui cherchent ce que je peux obtenir de cela. Amenez-les au bord de la rivière. Éprouve-les. Il va les éprouver, les tester pour toi. Ceux qui se courbent et qui boivent, mettez-vous de côté. Et ceux qui mettent la main dans l'eau et qui boivent l'eau de la main, et ceux qui ont bu l'eau comme les chiens, 300, ce sont là les hommes. Dieu cherche un petit nombre, bon, fidèle, concentré, fervent. Ceux-là qui diront, la seule chose qui compte pour nous, c'est l'œuvre du Seigneur. En Juge 7. Le Seigneur dit à Gédéon, avec les 300 hommes, c'est avec les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian de tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Le petit nom fidèle. Je ne ferai pas du petit nom fidèle. Le petit nom focalisé. Tu feras partie du petit nom focalisé au nom de Jésus. Il nous a donné une tâche, il nous a donné un travail, il nous a donné une commission. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il y a beaucoup à faire. Et ceux qui sont prêts à dépenser toute énergie dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur t'appelle ce jour. Et ceux qui diront, me voici Seigneur, envoie-moi. Le Seigneur t'enverra. Et tu seras un grand instrument dans la main du Seigneur, dans cette génération, au nom de Jésus.
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu fais partie du petit nombre? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es prêt à relever, à prendre le bâton, prêcher la parole de Dieu et tenir pour la justice, même si tout le monde autour de toi compromet? Pourquoi ne pas te lever, parler au Seigneur? Je ferai partie du petit nombre fidèle. Je faisais partie du nombre concentré, du petit nombre concentré, du petit nombre de bons hommes et de bonnes femmes que Dieu cherche aujourd'hui. Tiens-toi debout et présente-toi devant le Seigneur. Dis Seigneur, je le ferai, quels que soient les défis, je vais vaincre, je servirai le Seigneur, je vais me consacrer ma vie au Seigneur sans réserve.